Maurice, vous êtes d'origine française et vous êtes arrivé au Québec en décembre 1998. Vous avez adopté la nationalité canadienne. Pourquoi vous considérez-vous comme un réfugié? Ah, bonne question, hein. Ben là, il faut connaître un peu à la fois le passé, le présent et le futur possible de l'Europe. Faut avoir vu la Yougoslavie de près, par exemple. Faut avoir conscience que la France a raté son destin historique, qui était précisément la construction d'une civilisation en Europe, enfin, j'allais dire, après 14 siècles d'attente au moins, que malheureusement il n'y a eu aucun enseignement tiré de la tragédie constante du XXe siècle, qui est en fait une guerre mondiale qui ne s'est jamais arrêtée. Ceux qui parlent d'après-guerre sont des fumistes. La Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais arrêtée. Simplement, le nazisme a pris d'autres formes. Il s'est disséminé par capillarité dans l'ensemble de la société monde. Il a créé une technique monde. Il a créé ce que je décris en état terminal, mais on le vit déjà. Par exemple, moi, je l'ai vécu à l'émission d'Ardisson, l'émission que vous importez. Oui, vous étiez là il y a quelques semaines et... J'ai vu la méga machine embryonnaire. J'ai vu la machine du mensonge fabriquée par sampling. J'ai vu, par exemple, vous n'avez pas prévu d'invité surprise ce soir. Non. Ok. Bon, bah, moi, c'est vraiment l'interlocuteur, c'était un invité surprise. Je ne l'avais pas sur la liste. J'étais complètement préparé à l'arrivée d'un invité surprise. Ça m'a fait doucement rigoler. Mais simplement, je me suis rendu compte qu'on était déjà entré dans ce moment où le mensonge, la manipulation, l'instrumentalisation de chacun par tous a commencé. Et Thierry Ardisson en est effectivement une. Comment dire ? Une image emblématique. Vous avez un discours anti-islam, mais Ardisson a eu l'idée de faire venir sur le plateau un musulman pour vous confronter. Oui, c'est exact, mais sans prévenir et ayant un discours préparé d'avance de petit professeur de psychanalyse qui dit que c'est parce que je n'aime même pas moi-même que je n'aime pas les autres, alors que ma critique de l'islam, elle est à la fois politique, celle de l'islamisme. Ensuite, il y a effectivement une critique éventuellement théologique de l'islam. C'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi c'est né, est-ce qu'il n'y a pas des racines d'hérésie chrétienne? Moi, je les ai détectées, je ne suis pas le seul. Oui, bon, mais il y a des si on dit ça, est-ce que si on est pour un discours interreligieux, j'allais dire honnête, carte sur table, il faut les mettre carte sur table. Donc, il faut dire aux musulmans, bah non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Non seulement pour les raisons postmodernes, j'allais dire, le problème du voile ou le problème de la charia tel qu'il a fait disposer en Ontario, mais peut-être aussi à la base. Ça ne veut pas dire que je pense que toutes les personnes de confession musulmane doivent être mises devant une fosse commune et abattues à la mitrailleuse comme l'a fait le communiste Milosevic. Je vous cite. « Face aux dictatures des pays arabes, j'ai toujours eu la même position depuis l'âge de 15 ans. Il faut leur casser la figure, les foutre dehors et éventuellement placer des régimes qui soient à notre botte. » Trouvez-vous que ça va mieux en Irak depuis que oui. George Bush vous a écouté? Oui, je pense. Ah, je pense que ça va mieux. Je pense que ça va mieux que sous Saddam Hussein. Je pense que ça va mieux qu'à l'époque où les chiites se faisaient décimer par centaines de milliers, où les Kurdes se faisaient gazer, où les sunnites, j'allais dire, ne valaient guère mieux, où les chrétiens non plus. Je veux dire, au bout d'un moment, je dis pas que l'ordre est revenu, mais à un moment donné, il vaut mieux le chaos que, excusez-moi, la glaciation totale du totalitarisme. Oui, mais en même temps, les Irakiens qui sont les principaux concernés ne sont pas nécessairement d'accord avec vous. Ils ont quand même élu un président, ils ont quand même eu des élections, ils ont quand même pu passer à l'action, comme en Afghanistan. L'Afghanistan s'était barré d'office par les talibans. Vous préférez des régimes où on abat des jeunes femmes au coup de Kalachnikov, une balle dans la tête, parce qu'on a vu son petit doigt dépasser? Non, mais est-ce que c'est la mission des Américains de s'imposer comme les vengeurs? Mais c'est pas les vengeurs. D'abord, ils s'en sont pris quand même un petit peu le 11 septembre 2001. Faut pas oublier qu'il y a eu 3000 morts. Ça s'appelle un crime de guerre, moi, selon moi. Ça s'appelle un crime de guerre, mais okay. Les Américains en ont commis aussi. Non, ça, je ne nie pas. Mais en attendant, là, il y a eu crime de guerre contre la nation américaine. Et je pense que c'est un crime de guerre qui était dirigé contre l'Occident tout entier. C'est pas pour rien que les Américains, si vous voulez, ils sont l'empire parce qu'ils ont la souveraineté, ils ont les moyens de l'appliquer. Ça a toujours été ça, la politique. Il faut relire Machiavel, ou même Karl Marx, à la limite. Oui, mais en même temps, si on lit Machiavel, on pourrait dire que les Américains ont utilisé les événements du 11 septembre pour non pas chercher un Saoudien, mais rentrer en Afghanistan, rentrer en Irak, bientôt en Iran. Quand même, Al-Qaïda avait des liens quand même relativement établis avec les régimes afghans et probablement aussi avec certains services du régime de Saddam Hussein. Je veux dire que le fait que Saddam Hussein ait replacé des versets du Coran sur son drapeau soi-disant laïque à partir de l'an 2000,
bon, il y avait tout un tas de signes qui indiquaient qu'il y avait des basculements géopolitiques qui étaient en cours. Des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, vous êtes pour la guerre. Vous vous considérez d'ailleurs comme un guerrier chrétien. Non, je ne suis pas pour la guerre. La guerre a commencé. Donc, si vous voulez, ou on se tient en dehors du théâtre des opérations, ou on décide d'en faire partie. Après, moi, j'ai rien contre les gens qui décident de s'en retirer, mais qui ne viennent pas nous donner des leçons. Je vous cite, la guerre est simplement la manière qu'ont les hommes de régler les conflits. C'est à la fois le problème et la solution. Il n'y a pas d'autre alternative que la guerre. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre alternative à l'époque d'Adolf Hitler? Réfléchissons. Bon, tu sais que ça en va. Avez-vous du fun, par contre? Ben, ouais, mais bon. Faut... Quand vous faites un party, comment ça vire? Non, mais moi, je suis pas politicien. Moi, je suis romancier. Je pense que c'est là. Je pense que la pente savonneuse est amorcée. Ce qu'Adolf Hitler voulait faire, c'était envahir les autres pays. Ce que disent les intégristes musulmans, ils disent aux Occidentaux, retirez-vous de nos terres. Mais non, ils veulent. Il y a deux mondes dans l'islam djihadiste. Il y a le Dar al-Islam et le Dar al-Harb. Le Dar al-Islam, c'est le monde de l'islam. Le Dar al-Harb, c'est le monde de la guerre. Donc il n'y a pas 36. Il y a un manichéisme absolument ontologique dans l'islam, et en particulier dans l'islam djihadiste, qui dit qu'il y a soit l'islam, soit les terres à pacifier. Et les terres à pacifier se pacifient par le sabre. Et c'est comme ça depuis l'an 600, enfin depuis l'an 1 de l'Égypte, malheureusement. C'est comme ça. Donc finalement, c'est une guerre de religion. Oui, je pense qu'il y a une guerre de religion qui est en cours. Maintenant, il faut savoir effectivement de quel côté sont nos valeurs. En réaction à la position pacifiste du Québec, vous avez dit, je vous cite. Oui. Je n'étais pas venu au Canada français en pensant rencontrer un peuple aussi castré. Je croyais qu'il y avait des gens qui étaient fiers d'être occidentaux. J'ai mal vécu, si vous voulez, je vais vous donner des exemples. J'ai mal vécu le fait qu'au lendemain du 11 septembre, on fasse manifester ma fille avec des drapeaux blancs. Attendez, le drapeau blanc, c'est le drapeau de la reddition. C'est pas le drapeau de la paix. Je l'ai vu aussi à la télé. J'avais des problèmes avec ça. Moi, je suis venu en Amérique, si vous voulez, je suis comme un réfugié qui vient de Pologne. Ok, c'est moi j'ai quitté la France alors que je considérais qu'elle allait basculer d'un jour à l'autre dans l'un ou l'autre des totalitarismes qu'on a vu à l'œuvre en Europe et qu'on verra à l'œuvre en Europe. Donc je suis désolé, j'arrive en Amérique du Nord, je pense rencontrer un peuple qui, quoi qu'il ait sa spécificité française que je défends par ailleurs, se sente nord-américain. Or, bizarrement, dans les médias en tout cas, dans l'élite intellectuelle, il était clair qu'il fallait être contre Bush. Bush était un con et c'était Kerry qui allait gagner. Pas de bol, 54% des Américains ont dit non, on réélit Bush. Mais nous ne sommes pas des Américains. Ça aussi, c'est un truc qui est bizarre au Québec. C'est que, bizarrement, c'est comme si vous étiez rattaché à la France. Mais vous êtes des Nord-Américains. Moi, je suis venu ici parce qu'on est en Amérique du Nord. Sinon, je serais resté, je ne sais pas, je serais allé dans un paradis fiscal en Irlande. Oui, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des points en commun avec les 48% d'Américains qui n'ont pas voté pour Oui, mais c'est bizarre que 95% de la population des élites québécoises ait eu cette position anti-Bush, alors que précisément, c'était bizarre, aux États-Unis, ça discutait beaucoup plus. En France, il n'y avait absolument pas de débat. Bush était un crétin et Kerry allait gagner. Excusez-moi. Oui, mais les Américains ont été attaqués. Nous, on n'a pas été attaqués. Ah bon? Donc vous n'avez aucune solidarité avec les États-Unis? C'est comme si les Français n'avaient aucune solidarité avec l'Angleterre ou avec l'Espagne ou avec l'Allemagne. Super. Mais moi, quand j'écoute Thierry Ardisson, en tout cas, je sais qu'il n'y a aucune solidarité avec les Québécois. Ah, ça, on est bien d'accord. Mais c'est bien pour ça que moi, j'ai franchi l'Atlantique. Je laisse la vieille Europe à ses fantômes. Et j'ai pas envie de les retrouver ici. Je vais sûrement choquer plein de jeunes, etc. Mais je me sens plus Canadien-Français que Québécois. Ça ne veut pas dire que je renie l'identité québécoise. Mm-hmm. Mais il me semble qu'il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à travailler. Je croirais bien un Canada qui sache promouvoir une vraie culture franco-britannique. Pourquoi? Ben parce que, précisément, c'est ce que l'Europe a raté. C'est parce que vous détestez la France. Non, justement pas. Si je suis parti de France, c'est parce que je la détestais pas. C'est parce que je pouvais plus supporter. C'est parce que c'est comme voir quelqu'un que vous aimez se transformer en je sais pas moi. Mais faut qu'on sorte là aussi du manichéisme. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on est un fasciste et qu'on est un raciste. Faut arrêter les conneries là quand même. Excusez-moi. Je veux dire de la même manière que quand on est de gauche, on n'est pas obligatoirement un bolchevique enragé qui veut l'installation de goulag. Donc si on veut effectivement qu'il y ait un dialogue qui reprenne, y compris dans le pays du Québec, faut arrêter de nous fustiger.